Salut Daniela, salut Anas. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Daniela et Anas, vous êtes tous les deux membres de la direction de Révolution Permanente. Révolution Permanente qui tient son congrès, un peu comme tous les autres partis de la gauche. Vous tenez votre congrès à partir d'aujourd'hui et c'est sur 3 jours ce week-end. C'est quoi les enjeux de votre congrès? Bon, c'est tout d'abord en fait un congrès de fondation, parce que Révolution Permanente, en réalité, a pendant de nombreuses années construit un courant interne à l'intérieur du NPA, qui par ailleurs en fait, vient d'exploser il y a une semaine. Mais nous avons en fait quitté le NPA il y a un an et demi, poussé vers la sortie par en fait la majorité autour d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou. Nous avons par la suite en fait fait le choix de nous lancer dans une tentative de campagne présidentielle avec Anas. Nous sommes arrêtés devant la barrière antidémocratique des parrainages. Mais ce en fait vers quoi nous nous lançons maintenant, c'est vers la construction d'une organisation indépendante qui aspire en fait à jouer un rôle dans la construction d'un parti révolutionnaire en France. Et de ce point de vue-là, le congrès de ce week-end va discuter des bases politiques de cette nouvelle organisation, donc à la fois de son programme, de sa stratégie, va élire une direction pour qu'on puisse en fait aborder une nouvelle étape de notre construction avec tout un tas de nouveaux camarades qui nous ont rejoints en cours de route, notamment autour en fait de la campagne d'Anas. Donc vous allez vous structurer en parti, contrairement, parce que je prends notamment le cas de la France Insoumise qui refuse pour l'instant de se structurer en parti et qui veut rester un mouvement gazeux dont on ne comprend pas très bien les tenants et les aboutissants. Vous allez être un parti avec des statuts et j'imagine une organisation traditionnelle, des porte-parole, peut-être des secrétaires nationaux avec des intitulés, c'est ça? Oui, nous sommes une organisation partisane. Parti, c'est un grand mot, en quelque sorte, parce que nous lançons en fait quelque chose de modeste. Il y a eu environ 400 camarades qui ont participé au processus de la nouvelle organisation. Mais oui, nous aspirons à organiser en fait une organisation de type partidaire, avec une direction, avec des statuts, un programme, etc., etc., tout à fait. Souvent, quand on parle de parti, on imagine que c'est pour se présenter à des élections. Vous aussi, c'est ça l'objectif? Du tout, en fait, c'est vrai que ça, c'est les gens assimilent beaucoup la politique de manière générale, au-delà des partis, à la question électorale. Nous, on a déjà fait un premier test lors de la campagne présidentielle. Comme disait Daniela, on s'est arrêté à 160 parrainages, ce qui était déjà énorme pour une organisation comme la nôtre. On a fait des meetings avec beaucoup, beaucoup de monde. Et je veux dire par là, les élections, ça sera des discussions collectives dans lesquelles, en fait, on voudra s'investir ou non, mais d'un point de vue révolutionnaire, en fait, notre approche, elle est pas parlementariste, en fait. Nous, le cœur de notre intervention, notre centre de gravité, comme on aime dire, c'est l'intervention dans la lutte de classe, c'est de construire un parti qui parle à la classe ouvrière, qui parle à la jeunesse, qui prend en considération l'ensemble des préoccupations liées aux personnes qui vivent l'exploitation et les différentes formes d'oppression. Et en fait, pour nous, les processus électoraux, c'est pas dans ces moments-là, en fait, on arrive à changer quoi que ce soit face à un système qui est structuré, qui a ses institutions. Et donc, nous, on considère que justement, le fait d'être révolutionnaire, c'est montrer du doigt les vraies problématiques et aussi montrer les solutions qui peuvent permettre de transformer aussi la société et non pas uniquement en mettant un bulletin dans l'urne, en considérant voilà, j'ai fait mon petit boulot, j'ai mis quelqu'un qui est censé me représenter et puis s'il me représente mal, je verrai dans 5 ans pour qui je vote. Non, nous, on a une conception différente de la politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne participera pas aux élections, mais ce n'est pas pour nous, en fait, le terrain principal de jeu, en tout cas. Mais là, dans ce que tu viens de dire, Anas, tu viens de dire qu'on essaie de faire un parti qui parle de la lutte des classes, qui parle... Le but, c'est de structurer un discours, ou est-ce que ce parti, il peut aussi avoir pour objectif, ou cette organisation, de structurer un espace révolutionnaire? Et du coup, c'est quoi les modalités? Comment on construit un espace révolutionnaire? Vas-y. Oui, moi je pense en fait que ce qu'on essaye de construire en tout cas, c'est un outil politique, c'est un outil pour un secteur de notre classe sociale, celui qui est convaincu de la nécessité de détruire le système capitaliste et que pour y arriver en fait, il faut passer par la voie révolutionnaire. Et nous pensons en fait que l'école
par laquelle en fait on construit ce type d'organisation, c'est l'école des luttes. Et nous sommes très fiers en fait de compter dans notre organisation des camarades qui ont joué un rôle important dans la dernière étape de la lutte de classe, comme c'est le camarade Anas Kazib ici à mes côtés dans les luttes cheminotes, mais aussi dans la lutte contre la réforme de retraite, mais d'autres camarades aussi. Je pense à Adrien Cornet par exemple de Grandpuy, un camarade comme Gaëtan Gracien en fait qui travaille dans l'aéronautique à Toulouse, Christian Porta dans l'Est. Donc nous essayerons en fait de constituer une organisation pour l'intervention et pour la construction d'un outil de transformation sociale. Et en même temps, nous ne pensons pas que c'est ce grand outil à la hauteur de ce dont nous avons besoin va venir seulement de nous. Donc nous essayerons de dialoguer avec tout un tas de militants et de courants en fait, qui se revendiquent aussi de cette perspective. Il y a aujourd'hui par exemple en fait, l'explosion du NPA. Et nous pensons que dans en fait, ce qu'on appelle la plateforme C, c'est-à-dire ceux qui refusaient la dilution dans la France insoumise, il y a beaucoup de militants honnêtes avec lesquels en fait, on veut discuter de comment reconstruire en fait, une gauche révolutionnaire en France qui soit à la hauteur des enjeux. Alors tu parles de dialogue, est-ce que les autres forces de la gauche, alors je pense notamment à Olivier Besancenot et Philippe Poutou qui maintenant voilà, sont mis en minorité au NPA ou à la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts ou le Parti Communiste, c'est-à-dire les autres forces de la gauche, est-ce que vous allez, comment vous vous situez en fait par rapport à eux? Vous n'avez rien à leur dire ou alors vous vous dites peut-être qu'il y a des combats qu'on pourrait mener en commun, peut-être qu'il y a des horizons qu'on pourrait inventer ensemble? On mène déjà par moments certains fronts, enfin je veux dire par là, on a, que ce soit dans les luttes notamment antifascistes, etc., contre les violences policières et autres, tactiquement, on peut être amené à faire des choses. Je veux dire, même dans les luttes, de manière générale, à la SNCF ou ailleurs, vous allez avoir des militants qui sont syndiqués, mais aussi qui sont au PC ou à la France Insoumise ou à Lutte Ouvrière ou ailleurs. Là, nous, quand on parle de gauche, on parle de gauche révolutionnaire. La discussion, elle est sur un terrain stratégique, programmatique, qui correspond aussi à notre vision de la lutte, à notre vision politique en fait des choses, et que c'est clair et net que c'est pas avec Europe Écologie Les Verts ou en tout cas tous les partis de la gauche institutionnelle qu'on vise à faire ça. Justement, c'est la bataille interne qu'on a menée à l'époque quand on était au sein du NPA et qui amène aussi cette explosion aujourd'hui, parce que dans le discours du secteur qui se regroupe autour de Philippe Poutou et Olivier Besancenot, on voit que la partie intégrante de leur discours politique et de leur orientation politique, elle est de comment on va faire des alliances électorales avec la gauche institutionnelle. C'est pas notre projet. Notre projet, il est pas celui-là. Notre projet, il est de pouvoir discuter avec les militants révolutionnaires qui se retrouvent dans la stratégie qu'on propose, dans le centre de gravité qui est le nôtre, c'est celui de l'intervention dans la lutte de classe, le fait de construire un parti qui soit un outil pour les prochaines luttes qui vont venir, et il y en a des très prochaines, je pense notamment à la réforme des retraites. On voit qu'il y a de plus en plus de possibilités à avoir des mouvements subversifs, notamment combinés avec ce qui se passe en Ukraine, la question de l'inflation, de la crise économique, de la crise climatique. Je veux dire par là, il y a toute une nouvelle génération aujourd'hui qui est en train de voir que c'est pas vers les partis institutionnels de la gauche que il y a la possibilité de transformer les choses, et c'est à toutes ces personnes-là qu'on a avec lesquelles on a envie de discuter. Et on a envie de poser cet outil, la fondation de cette nouvelle organisation, au centre en fait du débat de l'extrême gauche. La réflexion sur la lutte des classes, j'ai l'impression qu'il y a dans d'autres partis politiques, on se la pose aussi et de façon de plus en plus aiguë. J'ai écouté Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire nationale des Verts. Elle en parle, elle dit moi on ne peut plus être l'écologie des centres-villes, il faut aussi parler aux catégories populaires, parler des catégories populaires. On n'est pas exactement dans la lutte de classe, mais quand même c'est des questions qui la taraudent. Fabien Roussel la pose hein, de façon frontale avec ses mots, avec son vocabulaire, avec son style, et François Ruffin aussi, c'est-à-dire que c'est des choses en fait que eux ils commencent à, on commence à s'imposer. Je me souviens Anas, tu disais pendant la campagne présidentielle, quand tu cherchais tes parrainages, tu disais « Moi, je suis un candidat ouvrier, je parle du monde du travail, je parle de machin. » Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est huit mois après. Ben, il y a des gens, peut-être pas qu'ils ont entendu ton discours, mais en tout cas qu'ils le prennent un peu plus en considération dans les autres partis de la gauche. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous voyez aussi ou pas du tout ?
Moi, j'ai l'impression en fait qu'il y avait une situation dans la gauche où il y avait un divorce important entre la gauche et les classes populaires, qu'aussi bien en fait le Parti socialiste que le PS avaient renoncé dans une grande partie à incarner les intérêts de la classe ouvrière et s'étaient tournés plutôt en fait vers des secteurs de classe moyenne et qu'il y a en quelque sorte sur la dernière période une prise en compte du fait que c'est compliqué de faire sans les classes populaires. Mais ce n'est pas tous les projets qui parlent des classes populaires ou qui s'adresse aux classes populaires, qui incarne un projet, en fait, lutte de classe. Par exemple, je ne dirais pas que les Verts incarnent un projet lutte de classe, y compris, en fait, dans la gauche, nous, on fait la différence entre des organisations qui sont des organisations de gestion des institutions capitalistes, comme c'est le cas du Parti socialiste, des Verts, et dans une certaine mesure, en fait, de la France insoumise, même si c'est un peu plus compliqué, et des organisations issues du mouvement révolutionnaire, comme c'est le cas, en fait, des camarades du NPA. La principale chose, en quelque sorte, en fait, qu'on reproche à Olivier Besancenot et à Philippe Poutou, c'est précisément d'être un parti en train de renoncer à la construction d'un outil indépendant qui travaille avec d'autres, en fait, dans les luttes, mais qui porte un projet en propre pour se diluer dans l'espace politique, en fait, qui est celui de la NUPES et de la France insoumise. Pour nous, d'une certaine façon, l'expérience que les travailleurs avaient fait avec le PS autour de 2016, quand on disait plus jamais ça, était quelque chose de positif. Et il y a en quelque sorte un retour en arrière par rapport à ça. Et nous pensons au contraire qu'il faut creuser les conclusions de 2016 et construire une gauche révolutionnaire indépendante qui porte un projet de transformation radical et qui puisse, par ce biais-là, y compris, attirer vers soi de très nombreux jeunes ouvriers ou étudiants, par exemple, qui sont en train en fait de se politiser et de se radicaliser autour de plein de questions, de la crise climatique, de l'oppression de genre, des questions LGBT, et qui aujourd'hui cherchent une organisation en fait dans laquelle s'organiser et ne vont pas forcément en fait regarder vers des organisations qui sont pour nous un peu ossifiées, comme c'est le cas en fait de lutte ouvrière. Donc on a l'impression qu'il y a un espace pour une organisation révolutionnaire qui s'affirme en tant que telle et qui a en fait comme terrain de jeu principal l'intervention dans les luttes, quoi. Et même quand la gauche institutionnelle fait semblant de parler soit de lutte de classe, soit de radicalité, parce que je veux dire, il y a même des éditorialistes bourgeois qui regardent et qui voient les mouvements subversifs et qui ont envie d'essayer de capter d'une certaine manière ce qui est en train de se passer. Nous, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que la gauche institutionnelle va parler des luttes, c'est pour essayer de la capter de manière électoraliste, de manière parlementaire. Nous, on considère, tu le disais dans la campagne, quand je disais je suis un ouvrier, c'est pas juste pour dire c'est super d'être un ouvrier, mais c'est de dire que les ouvriers, on a le droit de penser et de faire de la politique, on a le droit de se présenter, on a le droit de s'organiser. Et le problème, c'est que la gauche institutionnelle, lorsqu'elle est amenée à parler aux classes populaires de manière générale, c'est pour leur dire « mettez un bulletin dans l'urne ». Et au final, quand vous regardez la représentativité des groupes parlementaires, je veux dire, ça vient des milieux bourgeois, petits bourgeois, cadres supérieurs, etc. Et les prolétaires sont pas représentés. Mais en plus de ça, lorsqu'il y a des prolétaires qui arrivent à rentrer, je pense par exemple à une camarade comme Rachel Keke de l'Hôtel Ibis, vous voyez comment on l'a fait ne plus exister dans le Parlement et surtout ne pas incarner un projet qui correspond aux attentes des classes populaires. Donc nous, c'est pas juste parler de la lutte de classe, c'est d'en parler, mais surtout de faire en sorte que les acteurs et actrices au centre de cette lutte de classe, en fait, ils prennent leur part pleinement dans une organisation qui la pense et qui la forge, en fait, pour que cet outil-là, il corresponde à leur volonté stratégique, programmatique, que ça soit une organisation dans laquelle ils se disent pas, moi, la meilleure des choses qu'on va me proposer, c'est de faire du porte-à-porte et de donner un tract de tel candidat pour dire aux gens, allez voter pour lui, voilà. Aujourd'hui, on est face collectivement, hein, on est à gauche et dans la gauche au sens large, révolutionnaire et institutionnel, comme vous dites. On est face à des urgences qui sont genre le réchauffement climatique, les problèmes de précarisation et de pauvreté, le problème de la montée du fascisme et de l'extrême droite. Enfin, on est collectivement dans cette merde-là, en gros, pour le dire franchement. Est-ce que au bout d'un moment, genre, je me fais l'avocat du diable, tu vois, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas dire, bon, finalement, peut-être que genre, les divergences qu'on peut avoir sur les stratégies et peut-être et aussi sur les horizons, hein, et que je comprends tout à fait et que vous mettez en avant, on ne peut pas dire, peut-être que genre, on en parlera plus tard, tu vois, parce que là, Marine Le Pen, elle est au pouvoir dans 4 ans. La question, c'est de savoir est-ce que, en fait, les compromis font barrage, par exemple, à la montée de l'extrême droite, en fait, à la politique de décompromission. Moi, je suis brésilienne d'origine. On en a un exemple très clair.
C'est-à-dire, en fait, Lula a construit en fait une coalition très très large pour faire face à Bolsonaro, qui va jusqu'à en fait un politicien de droite qui fait partie de Opus Dei, comme c'est le deuxième de liste, Alckmin. Et est-ce que ça fait disparaître le mouvement d'extrême droite derrière Bolsonaro? Mais pas du tout. Il va continuer à exister malgré la victoire électorale de Lula. Et ils sont en train de contester cette victoire électorale dans la rue tous les jours. Nous, on a l'impression que pour combattre l'extrême droite, ce qu'il faut, à l'inverse, c'est en fait un projet de société alternatif qui fasse rêver, et en fait des organisations révolutionnaires de combat dur, prêtes à affronter, y compris sur un autre terrain que le terrain électoral, la montée de l'extrême droite. Et de la même façon, est-ce que en fait le compromis avec des secteurs de la gauche institutionnelle du gouvernement est en train de régler le problème du climat? On a l'impression qu'il n'y a qu'une politique radicale de rupture avec le système capitaliste et donc de révolution sociale qui va pouvoir régler, y compris en fait les urgences les plus criantes dans la situation actuelle. Donc d'une certaine façon, en fait, contrairement à ce que pensent les gens, le projet le plus réaliste aujourd'hui, c'est celui de la révolution et pas celui en fait d'une victoire électorale par des compromis avec des gens qui sont de fait nos adversaires. J'ai une dernière question. Du coup, c'est quoi tout à l'heure, en amont de l'interview, vous m'avez dit, oui, on a déjà fait des assemblées dans les territoires pour essayer de voir genre, ce qu'on va mettre dans les statuts de notre congrès et, genre, et ce que ça va être notre projet. C'est quoi les grandes lignes de votre projet? En gros, je prends ma carte demain à Révolution Permanente, on va faire quoi? Parce que Anas, tu dis, ouais, on va pas aller juste tracter, je sais pas quoi. On fait quoi concrètement? Ah, concrètement, bon, c'est une question très compliquée, mais pour le processus tel qu'il s'est déroulé jusqu'à présent pour l'arrivée au Congrès où il y aura les délégués qui ont été élus dans les différentes assemblées générales des militantes et des militants de Révolution Permanente. Déjà, ça, c'est quelque chose, c'est un processus qui est important. Tout à l'heure, on parlait de ce qui est en train de se passer à la France Insoumise. On voit à quel point le fait d'avoir une organisation profondément démocratique dans lequel du premier au dernier des militants, tout le monde a le droit de s'exprimer et de voter et de décider de sa direction et de son orientation est primordial. Sinon, en fait, c'est tout ça n'est que du bluff. On fait des parlements populaires, des unions populaires, on ramène tout le monde, mais au final, quand il faut décider, on voit très bien qu'on coupe tout et c'est toujours la même caste, la même poignée de personnes qui s'arroge le droit de donner la ligne. On n'est pas du tout dans ce processus-là et aujourd'hui, on a décidé sur deux textes d'orientation importants. C'est un texte sur l'orientation internationale, sur la situation du système à l'échelle internationale, géopolitique, stratégique et autres, ce qui est en train de se passer, les tendances notamment à la récession et autres qui sont en train de pointer le bout de leur nez, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau national, entre un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, entre toutes les urgences que tu citais, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sociales, etc., par rapport à la pauvreté, par rapport au nombre de gens qui sont en train de souffrir, c'est comment en fait la fondation de cette organisation, dès demain, modestement, comme on le dit, parce qu'on n'est pas là pour considérer qu'on parle, on est des millions à parler pour des millions de personnes, mais Révolution Permanente a toujours, que ce soit à l'intérieur du NPA ou aujourd'hui, depuis qu'on est, on est en train de mener notre barque, on a toujours mis toute notre force et toute notre énergie dans l'ensemble des fronts de lutte. On était encore récemment aux côtés des camarades de Géodis. C'est des grèves partielles, mais c'est des grèves dans lesquelles des camarades ont gagné 11% d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, il n'y a aucun député qui a permis à qui que ce soit de pouvoir avoir 11% d'augmentation de salaire. Mais on voit que lorsque les militants politiques, la jeunesse, les ouvriers d'autres secteurs mettent leur force, leur énergie, en fait, dans l'idée de battre des patrons dans une lutte, dans l'idée de se coordonner comme on a pu le faire notamment en 2019 durant la réforme des retraites entre la RATP et la SNCF, c'est comment notre organisation, en fait, la tâche des militants, c'est pas celle de tracter, je veux dire on tracte, c'est pas le problème, il n'est pas là, mais c'est comment on pense stratégiquement et comment depuis là où on milite, depuis là où on essaye de penser et d'influencer au maximum dans tous les processus de la lutte de classe. Ce n'est pas Anas Kazib, ce n'est pas Daniela qui claquons des doigts et qui disons demain il va se passer ci ou ça, mais c'est comment lorsqu'il y a des événements, comment l'organisation qu'on est en train de fonder est capable d'intervenir et mettre toutes ses forces là-dedans. Et c'est notamment une des critiques qu'on fait à l'extrême gauche jusqu'à présent. C'est aussi aux gens qui regardent cette émission de tirer aussi le bilan. Qu'est-ce que le NPA ou Lutte ouvrière ont fait comme démonstration importante dans la lutte de classe, que ce soit au moment du mouvement des Gilets jaunes, durant la réforme des retraites, durant la réforme ferroviaire, etc. Et nous, on a envie que l'extrême gauche, aujourd'hui, elle soit pas juste vue au moment des élections, on dit « Ah, c'est ceux qui font moins d'1%, etc. » machin. Mais comment, en fait,
l'extrême gauche aujourd'hui, une organisation politique peut être un point d'ancrage important à toutes celles et ceux qui, dans la prochaine période, vont se dire ce qu'ils sont en train de proposer, ce qu'ils sont en train de faire, la manière dont ils sont en train de penser stratégiquement, politiquement les enjeux de la période, ça m'intéresse et j'ai envie de discuter, d'essayer de m'intéresser à cette organisation. Et c'est le message qu'on transmet largement à toutes celles et ceux qui, dans la prochaine période, vont avoir que le choix de se battre. Parce que c'est soit 65 ans, c'est soit la misère sociale, soit la régression sociale, soit les coupures de courant, les crises climatiques et autres, soit la possibilité de commencer à s'organiser, de se construire ensemble et d'avoir une force politique qui est capable d'affronter cet état bourgeois qui nous fait tant la misère, quoi. Daniela, le mot de la fin. Et si je peux compléter, en fait, je pense que ce qu'on va faire ce week-end, c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Donc, nous allons poser les bases d'une nouvelle organisation politique qui va, comme dit Anas, en fait, être amenée à intervenir dans tous les processus de la lutte de classe. Mais même au-delà de ça, on essaye en fait, de construire une organisation avec un journal comme Révolution Permanente, où il y a tout un tas de camarades en fait, qui construisent le journal, qui essayent aussi en fait, de jouer un rôle pour refléter ce qui se passe dans le pays, dans la lutte de classe, du point de vue en fait, des travailleurs et des révolutionnaires. Nous allons aussi en fait, mener des combats en fait, sur le terrain des idées et nous allons, en fait, dès la fin de notre congrès, lancer, je pense, une série de réunions publiques pour présenter la nouvelle organisation et essayer de continuer à la construire avec d'autres camarades après le congrès de ce week-end qui sera pour nous, en fait, un grand moment. Pour nous, en fait, c'est vraiment, en fait, très bien de pouvoir, en fait, faire le congrès en ce moment-là avec des présences importantes quand même dans notre congrès. Il y a des délégations internationales qui sont venues parfois de loin. On a des camarades d'Argentine, du Brésil, d'Allemagne, d'Italie, etc., qui sont venus en fait pour assister à notre congrès. Et aussi des camarades qui ne sont pas militants de Révolution Permanente, mais qui valorisent ce qu'on fait et qui vont venir aussi en fait saluer la fondation de la nouvelle organisation, comme c'est le cas de Frédéric Lordon, d'Assa Traoré, de camarades en fait qui ont joué un rôle central dans la grève de Géodis, mais aussi dans la grève de Total. Et pour nous, c'est une fierté en fait de pouvoir lancer notre nouvelle organisation dans ce contexte-là. Et ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon congrès. C'est ouvert à tous ? Merci beaucoup. Non, en fait, le congrès n'est pas ouvert à tous, mais par contre, la séance d'ouverture sera transmise sur les réseaux sociaux. Et les textes du congrès sont publics aussi sur Révolution Permanente. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à toi.